Nous, notre souhait, c'est qu'il y ait autant de photos du suivi de ce chantier, parce qu'on y a tous intérêt. Il faut que ces photos se fassent, et en même temps, il faut que ce chantier se fasse. C'est un chantier très dangereux. Pour vous donner un ordre d'idée, quelqu'un qui travaille à 50 mètres de haut ignore la personne qui est à 30 mètres. Il y a trop d'écart. Si vous le mettiez au sol, vous êtes la même distance qu'entre là et le devant de l'église. Donc, je veux dire, vous pouvez faire quelque chose ici, quelqu'un devant l'église, et personne ne le verra. C'est des angles qui sont passés à 89 degrés. En fait, c'est le clocher qui a un peu poussé, et comme il s'est un peu ouvert, et là, Frédéric, il a noté, il a relevé la déformation, il y a 8 cm, c'est ça? Ici, on a fait une descente de charge. Ici, on a fait une descente de charge. De toute façon, on a prévu, les chemins sont là, des protections en plomb, donc c'est M. Cadet qui le fera, le couvreur, sur tous les parties de rajeunissement. Et au niveau des lucarnes dont on parlait et puis des clochetons, on rentre largement à l'intérieur, pour qu'effectivement, même par vent très fort, il n'y ait plus très battante, on n'est pas de l'eau qui rentre, vraiment, dans des cas tout à fait exceptionnels, mais enfin, oui, ce sera plus court.